سورة نمور بين أود العين في الجرزرو سور من داروفيرو من زلايد في المنالي إطلا سيف المود يسبر من لاي جرشمون رأيف لسبور إيت Galera mi mun ra ivaro seromero seromero gilmaros providen man ayut kalos in malem lait barugelom Mansuri ad mi malut balkei min ali fel srai em sur mi mora in faros previden maloki e malikum felazo salamin maro gojevaro sur min alokeli Ausrai fideigim ageveramin sulayulai. Ege manulagur firiem adonai maro. Geremana fugiramilo. Benadolei minalu. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Bonjour à Jetrit, bonjour à Kambir, Nathalie, bonjour à Grace, Flavor, bonjour à André, la joie, bonjour à tout le monde, bon réveil à vous. Voilà, nous commençons nos journées avec le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans notre espace à la lumière des Saintes Écritures. Comme vous le savez, tout au long de cette semaine, nous sommes en train de tabler sur le sujet du mariage. Bonjour à Choupi Choupi. Bonjour à Mesti. Voilà. Mesti Gavuka. Mesti Gavuka. Le nom Ouai. Marie Abomo. Que Dieu vous bénisse. Donc nous parlons d'un sujet qui est fondamental et qui touche l'humanité tout entière. Un sujet sans lequel l'humanité ne peut être humanité. Voilà, donc chaque personne adulte est concernée par le sujet du mariage, les gamos, que nous avons défini. Mariage vient du grec gamos. Que Dieu te bénisse, j'espère que tu as bien dormi, que ta nuit n'a pas été cauchemardesque ni chevaleresque, mais qu'elle a été endivinisée. Voilà, donc bon réveil à vous, c'est une nouvelle journée. Et nous tenons aux portes de cette journée, nous tenons les linteaux de cette nouvelle journée pour parler à Dieu. Seigneur, donne-moi possession sur les portes de cette journée dans ma vie, afin que cette journée ne m'apporte que bonheur, joie, succès, réussite, santé, longévité. Voilà, que Dieu te bénisse. Et s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné à notre page, abonne-toi. Prends cette occasion et abonne-toi. Et partageons nos vidéos, s'il vous plaît. Prends ça comme une responsabilité chrétienne. Partage la vidéo. Partage. Ceux qui ont des groupes, partageons dans nos différents groupes. Faisons en sorte qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ces vidéos. Vous savez, cet enseignement doit parvenir à tout le monde. Et pour ceux qui ont la possibilité de faire des découpages de cet enseignement pour envoyer dans des groupes WhatsApp, s'il vous plaît, faites-le ou bien renvoyez-moi ça dans Messenger pour que moi aussi j'envoie ça dans notre WhatsApp. Donc mettons-nous à la tâche, que chacun soit engagé dans la tâche d'évangélisation et de sensibilisation. Vu que c'est un sujet qui est en train de, qui a besoin d'être partagé à cause de la gangrène dans la vie sentimentale de beaucoup de couples aujourd'hui, chrétiens comme non chrétiens. Donc c'est important de partager ces conseils-là à un grand nombre de personnes. Donc si Dieu t'a donné la connaissance,
dans les nouvelles technologies et que tu peux faire des découpages et nous renvoyer cela pour que ça nous soit utile. Tu te rends utile au royaume de Christ. Et tu peux le faire, du genre qu'on compresse pour que sur WhatsApp, tout l'enseignement puisse passer. Vous voyez, parfois sur WhatsApp, on peut voir des enseignements de 30 minutes, 1 heure de temps, mais ça passe sur WhatsApp. Donc, si tu peux le faire, tu nous renvoies cela pour que nous puissions aussi envoyer ça dans les WhatsApp. Voilà. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Au nom souverain de Jésus. Donc, nous avons encore 1 minute, nous attendons nos frères, ceux qui sont les retardataires. Bonne arrivée à la Rema Facebook Church. You are welcome, welcome. You love you so much, and we are so glad to share this moment with you. So believe that God will do something great in our lives this morning again, and that this day will be a blessed day for us, a blessed day for us. We bless the Lord for His mercy, for His goodness, for His kindness, and for His faithfulness. Bless him for all his deeds in our lives. So we are very grateful. We thank God. Así estoy diciendo merced a mi Señor y mi Salvador Jesucristo, Cristo, para todas las cosas que has hecho en nuestras vidas durante esta noche. Es una cosa maravillosa que de rogar a Dios, que de adorar nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia particular. Así digo merced, gracias a mi Dios para la salud, para la vida, para la gracia de servirle. Pienso que hay cosas en nuestras vidas que hay que Dios, Señor, pour cette nouvelle journée. Disons merci au Saint-Esprit pour la vie, l'être et le mouvement qu'il nous donne. L'apôtre Paul a dit en lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, te disons merci pour la vie, l'être et le mouvement que tu nous donnes. Seigneur, que ton nom soit glorifié, qu'il soit sanctifié. Nous prions que le don de la vie en cette journée ne soit pas un don vain dans nos vies. Mais Seigneur, donne-nous de jouir de ce don à juste titre. Et d'évaluer à sa juste valeur ce don que tu nous accordes, afin que cette journée soit efficace et rende-nous efficace en cette nouvelle journée, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as fait la prière avec foi, le don de la vie que Dieu te donne ne sera point vain. Aujourd'hui, Dieu te rendra efficace. Dans tout ce que tu feras, l'efficacité se dégagera dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que nous sommes de sa race. Et puisque nous sommes de sa race, 3 points de suspension. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, je veux être de ta race. Et comme je suis de ta race, donne-moi la grâce de manifester la divinité, la nature de Dieu dans tout ce que j'aurai à faire tout au long de cette journée. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, tu as fait de nous de ta race. Et parce que nous sommes de ta race, nous prions que ta divinité soit manifestée en nous, que ta nature soit manifestée en nous, que ton amour, ta puissance et tes attributs soient révélés à travers nos vies au monde. Seigneur, que cette journée soit une journée de révélation de la nature de Dieu en nous, partout où nous serons, au travail, au bureau, à la maison, en voyage, en déplacement, en randonnée. Seigneur, nous prions que ta grâce se manifeste en révélant en nous la race de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Nous sommes de ta race, je suis de sa race. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Confesse, écris sur ton commentaire, je suis de sa race. Ainsi, la race de Dieu prends possession de ton être tout entier, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, et sur le plan holistique, va influencer ta journée et partout où tu seras, tu dégageras la race de Dieu, tu dégageras les attributs de Dieu, sa sainteté, son amour, sa bonté, sa puissance, etc., sa richesse. Et Dieu manifestera sa race en toi tout au long de cette journée, partout où tu seras. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre possession de la porte de cette journée de jeudi. Je dis, je prends possession de tes linteaux. Je prends possession de ta porte. Je prends contrôle sur toi. Et je prophétise que tu me ramènes tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a d'agréable, tout ce qu'il y a, toutes les richesses de cette journée. Je les possède. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, je prends possession des portes de la journée de jeudi. Cette journée que tu m'as donnée me revient. Satan ne me volera aucune bénédiction concernant cette journée. Aucune grâce ne me sera ôtée. Rien
de bien ne me sera privé tout au long de cette journée. Seigneur, j'appelle la richesse, le succès, la prospérité, la santé, l'embonpoint, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Et tout ce que tu as prévu de bien pour moi tout au long de cette journée de jeudi, je prends possession et contrôle sur ces bénédictions. Et Satan ne m'en privera point, et mes ennemis ne m'en priveront point, et la sorcellerie ni ses imprécations ne m'en priveront point, dans le nom redoutable de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc si tu as fait cette prière avec foi, tu viens de prendre contrôle de la porte de la journée de jeudi. Et tout ce que tu demanderas à cette journée, elle te la donnera. Elle te le donnera. Tout te revient. Toutes tes bénédictions et tes grâces que le Seigneur a prévues pour toi tout au long de cette journée, le Seigneur te redonne possession de ces bénédictions et personne n'usurpera ni n'abusera des bénédictions qui te reviennent tout au long de cette journée. Si tu as fait cette prière avec foi, que le Seigneur te bénisse, ça veut dire que tu viens de prendre possession des portes de la journée de ce jeudi. Que Dieu te bénisse, je suis de sa race. Tu peux l'écrire en commentaire, je suis de sa race. C'est la confession de ce matin. Et la race de Dieu entre en toi, l'ADN de Dieu entre en toi, la divinité entre en toi. Et le Seigneur fait de toi quelqu'un de sa famille. Je suis de sa famille, je suis de sa race. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui est de sa race ce matin, que Dieu te bénisse. Balita wa inaglamo inaudali faluka wa anas proze. Saint-Esprit, merci pour tous ces sujets. Merci parce que tu nous exauces. Prends contrôle et que ton nom soit glorifié d'âge en âge au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui me regardent. Que leur vie soit sanctifiée par ta parole. Seigneur, donne-nous de grandir par cette parole et que cet enseignement nous amène à prendre contrôle dans nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Tu dis Amen. Je suis de sa race. Est-ce que toi aussi tu es de sa race? Que Dieu te bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Alors, nous avons parlé hier des violences conjugales, on a vu cela. On a parlé de la responsabilité de l'homme dans le foyer. Ce matin, pourquoi ne pas aussi parler de la responsabilité de la femme dans le foyer? Donc, c'est important de connaître aussi quel est le rôle de la femme. Qu'est-ce que Dieu attend de la femme dans un foyer? Lorsqu'une femme veut s'engager au mariage, à quoi est-ce qu'elle doit s'engager? Quel est son devoir? Parce que l'homme a un devoir. Il a son devoir dans les couples et la femme a aussi son devoir dans les mariages. Aujourd'hui, on va parler des femmes. On va parler de la femme. Des femmes, voyez. Voilà, une femme dit voyez là-bas à la maison. Que Dieu te bénisse. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'école du mariage. Je crois qu'il est importantissime que les gens comprennent que le mariage, ce n'est pas un voyage hasardeux. Le mariage, ce n'est pas un voyage pour des aventuriers. Le mariage, avant d'y entrer, il fallait que l'on te prépare d'abord. Il faut être bien préparé et être convaincu d'être sûr d'entrer avant d'y entrer. Sinon, on va aller à la catastrophe. Écoutez, on ne va pas dans le mariage apprendre le mariage. On apprend le mariage avant d'entrer dans le mariage. C'est des choses qu'il faut que les gens comprennent. Alors, aujourd'hui, dans nos rapports chrétiens, pour nous qui croyons aux Saintes Écritures, la Bible, la parole inspirée de Dieu, vous savez, les femmes se plaignent tellement. Et c'est vrai que les hommes en font un peu trop. Il y a des abus. Ah, femme, sois soumise. Hein? La Bible dit, sois soumise. Ah, femme, sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. Et les femmes se plaignent tous les jours. Que les hommes, mon mari passe le temps, mais dit que la Bible même dit, femme, sois soumise à ton mari. Même mon mari qui va pas à l'église, il connaît quand même le verset biblique là. Même celui qui ne prie jamais à la maison, ne prie jamais. Il a toujours son magnan, sa 33, sa Beaufort, avec sa bouche, avec la laine de la Beaufort. Il dit toujours, femme, sois soumise. Hein? Même ton pasteur là ne t'a pas enseigné que la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, doit être soumise à son mari. Donc, tous les hommes connaissent ce passage-là. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne comprends pas cette alchimie-là, ce hiatus. Tout le monde connaît, femme, sois soumise. Et donc, les femmes se sentent persécutées par ce verset. Elles se sentent acculées par ce verset. Elles se sentent bousculées par ce verset-là. Elles se sentent houspillées par ce verset. Elles se sentent parfois saboulées par leur mari par ce verset. Elles se sentent, comment dire cela? Elles sont parfois, elles basculent à cause de ce verset-là. Donc, femme, soyez soumise à vos maris. Donc, le verbe soumis, se soumettre, ou bien la soumission dont il est question bibliquement, c'est quoi? Regardons déjà 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alors, ça veut dire quoi? Là, c'est 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1.
1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Voilà. Il dit que la femme doit être soumise à son mari. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà ce que la Bible dit. C'est vrai, c'est un verset, c'est une déclaration biblique. Il y a beaucoup d'autres versets bibliques qui parlent de la soumission de la femme. Nous allons voir ce que c'est que la soumission de la femme selon la Bible. Nous allons comprendre. Est-ce que la soumission de la femme, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hyperbolisation de la définition étymologique de ce mot ou de ce verbe soumettre par les hommes? Ou alors, est-ce que les femmes n'en font pas trop en se révoltant à chaque fois que leur mari leur dit, la Bible dit, femme, sois soumise à ton mari? On va voir. Qu'est-ce que la Bible signifiait en nous disant, en utilisant le verbe soumettre? Le verbe soumettre ici, bibliquement, selon l'étymologie et la philologie du verbe soumettre dans la Bible, dans le texte grec, quelle est la signification? Quel est le sens? Quelle est la dénotation et la connotation du mot, du verbe se soumettre ou du verbe soumettre selon la Bible? Donc, quand nous regardons donc dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et qu'est-ce que la Bible en grec dit? Le texte grec dit quoi? Dans 1 Pierre 3, il dit, homoios gunaikes, de même épouse, ou potasomenai tois idiois andrasin, soyez soumise, ou potasomenai, soyez soumise, ou potasomenai, soyez soumise, tois idiois andrasin, à vos maris, à vous. Parce qu'en fait, tois idiois veut dire, ça dit qu'en anglais on dit to your own, à ton mari, à toi. Ça dit que pas à tous les hommes. La femme n'est pas soumise à tous les hommes. Ça veut dire que ma femme m'est soumise à moi, pas à toi. Ta femme t'est soumise à toi. C'est ce que le grec dit. Tois idiois. Ça veut dire que la femme doit être soumise à son mari, à elle, et non pas au mari d'autrui. Ça veut dire quoi? Ici, dans le texte grec, l'apôtre Pierre donne une révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucune autre personne ne peut me demander, c'est-à-dire la conduite que ma femme doit tenir. Personne ne doit dire à ma femme comment elle doit être pour moi. Personne. La femme, l'épouse, est soumise à l'homme qu'elle a épousé et non pas à un autre homme. Donc, personne n'a le droit de me dire comment ma femme doit être habillée, comment ma femme doit se conduire dans mon foyer. Personne n'a le droit. Et la femme, ma femme n'a pas le droit de se soumettre à un autre que moi. C'est-à-dire que chaque épouse est soumise à son mari et exclusivement, chaque mari a l'exclusivité de bénéficier de la soumission de son épouse. Je me souviens que quand j'allais encore en Ngaoundéré, au début de notre ministère là-bas, il y avait des jeunes hommes de Dieu avec qui vraiment j'étais associé pour faire l'œuvre de Dieu. Et un jour, l'un d'eux m'a approché et il m'a dit que vraiment, les pères de l'église m'ont dit que ton épouse doit mettre le foulard parce que la femme doit se voiler la tête. Donc, si elle ne met pas le foulard, ça veut dire qu'on ne peut pas marcher ensemble. Et elle doit cesser de mettre le pantalon. Parce que la Bible dit que l'homme ne doit pas porter le vêtement de la femme et la femme ne doit pas porter le vêtement de l'homme. Donc, elle doit arrêter de mettre les rouges à lèvres et toutes ces choses-là parce que les pères de mes pères spirituels ne sont pas d'accord avec. Et j'ai répondu au bien-aimé que, frère, donc depuis que tu marches avec moi, tu ne m'as pas encore connu. Tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas encore maîtrisé mon mode d'emploi. Va dire à tes pères qu'ils doivent dire ça à leurs épouses, pas à mon épouse. Mon épouse n'est pas leur épouse. Chaque mari a le droit sur son épouse. Personne n'a le droit sur l'épouse d'autrui. Moi-même qui suis ton père spirituel, je n'ai aucun droit sur ta femme. Si j'ai besoin que ta femme, qui est ma fille, me rende un service, mon ami, je n'appellerai pas directement ta femme. Je vais t'appeler toi, le mari. Si tu dis oui, elle rend ce service à l'église. Si tu dis non, elle ne rend pas ce service à l'église parce que tu es le seul qui a le droit exclusif sur ta femme. Voilà pourquoi l'apôtre, il y a des petits mots que nous lisons en grec.
Nous lisons dans la Bible en français, on ne comprend pas. Mais le grec nous montre cela et ça a tout le sens. Hein? Il dit homoios gunaikes ou potasomenai tois idiois idiois tois idiois. Il dit de même vous femmes soyez soumises à vos maris à vous. J'ai dit au frère que ma femme c'est pas ta femme, c'est pas la femme de tes pères. Donc va et dis à tes pères de dire à leurs épouses ce qu'ils veulent, que leurs épouses leur plaisent. Ma femme me plaît à moi. Voilà pourquoi, pour moi, quand elle met ses mèches, elle me plaît. Et si elle me plaît, elle plaît à mon Christ, à mon Jésus. Et si elle met les pantalons, ça me plaît, il n'y a pas de problème. Elle ne s'habille pas pour te plaire à toi. Elle ne s'habille pas pour plaire au père de l'église. Non, elle s'habille pour plaire à son mari, à elle. Donc, ça veut dire quoi? Cette complaisance peut différer d'un couple à un autre. Donc, pour moi, je peux trouver que ma femme avait ses mèches belles. Quand elle met le rouge à lèvres, c'est beau. Sauf si tu me montres un verset biblique où la Bible dit « Femme, ne mettez pas le rouge à lèvres » ou « Ne mettez pas les mèches ». Il faut faire attention. Donc, nous aussi, on lit la Bible. Maintenant, ma façon de comprendre la Bible est différente de la tienne. Donc, garde ta façon de comprendre. Je garde ma façon de comprendre. Mais que les choses fondamentales, les vérités fondamentales et salvatrices du christianisme nous unissent. Mais ne viens pas m'imposer ce que tu imposes à ta femme. La philosophie maritale que tu as est différente de ma philosophie maritale. Donc ne viens pas m'imposer ta philosophie maritale. Je te prends comme tu viens. Ma femme, c'est ma femme, c'est pas ta femme. Je n'ai jamais rien imposé à ton épouse. Donc laisse ma femme tranquille. Donc, la tenue de ma femme peut être différente de la tenue de ton épouse parce que ça dépend de la philosophie maritale que chacun de nous a développée. Donc mon ami, tu manges le pilet, moi je ne connais pas le pilet, ne viens pas m'imposer le pilet. Je ne connais pas le pilet chez moi. Nous, on mange le lalo, le gogodo, le tasba. Je n'ai pas venu dire à ta femme de te préparer le tasba, parce que vraiment, une femme de prophète qui ne prépare pas bien le tasba n'est pas originale ou bien n'est pas authentique. Non, mes amis. Il faut faire attention. Donc, ce manque de maturité, cette mauvaise interprétation du texte biblique, nous a souvent amené à avoir des conflits inutiles. Donc, j'ai dit, le jour-là, j'ai dit à mon épouse que, ok, écoute, chérie, renforce-moi les rouges à lèvres. Mets-moi bien tes bijoux là. Elle avait même le voile sur la tête. J'ai dit, enlève même le lafaille là de la tête. Elle avait même, je ne sais pas si c'était le pain qu'elle avait mis. Je lui ai dit, va mettre le pantalon maintenant, on va aller à l'église. Elle s'est habillée comme ça, nous sommes partis à l'église comme ça. Pourquoi? Parce que les frères doivent abandonner le fanatisme chrétien. Ça, c'est le fanatisme chrétien, vous comprenez? Ça, c'est le fanatisme chrétien, c'est le diade chrétien là-bas. Il faut faire attention. Il faut bien comprendre le texte biblique dans son contexte et maîtriser son paratexte. Et maîtriser la philologie de chaque mot biblique et dans son étymologie aussi, comprendre la dénotation et la connotation pour mieux comprendre la doctrine chrétienne. C'est pour cela qu'il est important d'avoir quand même quelques bribes de connaissances en grec, ça vous fera du bien. Donc, l'apôtre Pierre est en train de mettre des barrières dans les couples. Il met les barrières entre les couples. Ma femme n'est pas ta femme. Ce que tu exiges à ta femme, ne tente pas d'exiger ça à ma femme. Un pasteur qui exige à la femme de son fils ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'habiller, est en train de dépasser les bornes. Aucun homme de Dieu n'a le droit de venir dire ce que la femme de son fils doit faire. On n'a pas le droit. Non. La Bible le dit clairement. Il dit que la femme doit être, il dit tois, il dit ois. Elle doit être soumise exclusivement à son mari, à elle, et non pas à son pasteur. Non. Vous savez, le rapport entre l'homme de Dieu et le couple s'arrête à l'église. Aucun homme de Dieu n'a le droit de s'immiscer dans les affaires internes des couples de son église. Non. Les responsabilités des affaires internes de chaque couple incombent au mari et non plus au pasteur. Le pouvoir et l'autorité du pasteur s'arrêtent à l'église. Et s'arrêtent au seuil du mariage de chaque couple, au seuil de la porte de chaque couple. Aucun pasteur n'a le pouvoir d'entrer dans le couple, de s'immiscer dans les affaires internes des membres de son église pour dire à la femme, ne donne pas le hachou à ton mari aujourd'hui, ne lui braise pas son poisson braisé. Je parle du vrai poisson braisé. Je ne parle pas du poisson qu'on vend là-bas en route, même parfois, le piment même, ça te chauffe jusqu'à 3 jours. Ta langue, c'est... Non, je parle du vrai poisson braisé, la vraie nourriture. Donc, un pasteur n'a pas le droit de venir dire à la femme de son fils que aujourd'hui, ne lève pas les pieds devant ton mari. Ou bien ne te mets pas à cheval devant lui. Il n'a pas le droit de vous dire ce que vous devez faire dans l'intimité de votre couple. Non. Les pasteurs doivent être des conseillers. Mais ce n'est même pas ça notre
thème aujourd'hui. C'est une parenthèse pour vous montrer un peu l'esprit de la Bible lorsqu'elle parle de ceci. Donc, la Bible dit, femmes, de même vous femmes, soyez soumises à vos maris, à vous. Upotasomenai veut donc dire quoi? Quand la Bible dit, vous femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez? Quand on parle de la soumission ici, upakuo, il faut dire que le mot que nous avons, le verbe que nous avons lu tout à l'heure sur la soumission, je vais encore le relire. Il parle de upotasomenai, upotasomenai. Le mot upotasomenai en grec, mes amis, le grec n'est pas facile à prononcer. Donc, il vient de deux mots grecs. De deux mots grecs. C'est-à-dire que l'un ici, c'est upakuo, upakuo, upakuo. Qui signifie quoi? Écoutez, avec ces deux mots, il y a upo et akuo. Upo veut dire en dessous et akuo veut dire écouter quelqu'un. Donc, upo veut dire s'humilier, se rabaisser. Écouter dans une situation, une position de rabaissement, une situation, une position d'humilité. Et la soumission n'est pas imposée, elle est volontaire. La femme se soumet volontairement, c'est l'acceptation volontaire de se mettre en dessous de son mari, en deçà de son mari, sous son mari. C'est différent de l'esclavage. La soumission, c'est pas l'esclavage. La soumission est volontaire. L'esclavage est obligatoire. Il faut faire la différence. Donc, upakuo veut dire écouter, veut dire obéir. Écouter et obéir. C'est obéir à tout ce qu'on entend de son mari. Donc, la femme doit d'abord avoir une position d'infériorité vis-à-vis de son mari. Donc, upo veut dire inférieur, en bas. Ça ne veut pas dire égal ou bien au-dessus. Donc, lorsqu'une femme dans un foyer veut devenir l'égale de son mari, elle n'est plus soumise. Elle devient la coépouse de son époux. Or, la femme ne doit en aucun cas devenir co-époux, non. Coépouse de son mari, non. La femme doit être upo. Elle doit être une gouneska upo. C'est-à-dire une femme en dessous, en deçà. Son mari doit avoir une supériorité. Et ça, il faut savoir que plusieurs femmes ont échoué dans ce domaine. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas facile de se soumettre. Lorsque vous avez passé toute votre vie indépendante, il n'est pas facile de se soumettre. Il y a un certain nombre de lois et de règles, de caractéristiques qui peuvent rendre difficile la soumission de la femme à un homme. Voilà pourquoi, madame, si vous n'êtes pas encore prête à ce qu'on vous gronde, vous n'êtes pas prête pour le mariage. Si vous n'êtes pas encore prête qu'on vous fasse des reproches, vous n'êtes pas encore prête pour le mariage. Si vous n'êtes pas prête d'avoir un chef, recevoir des ordres, vous n'êtes pas prête pour le mariage. Ici, la upo veut dire une position d'infériorité. Tu reconnais la supériorité de ton mari sur toi. Ton mari est d'abord ton aîné, ton mari est ton père, ton mari est ton supérieur. Donc, il faut comprendre que si tu es inférieur, c'est parce que ton mari est chef, il est supérieur. Ton mari est ton chef. Donc, tant que tu ne peux pas te faire gouverner en tant que femme, tu n'es pas prêt pour le mariage. Tant que tu ne peux pas recevoir des ordres et obéir à ces ordres, tu n'es pas faite pour le mariage. Et il faut dire que upakuo veut dire obéir à tout ce que tu entends ton mari te dire. Donc, dans upakuo, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de rébellion dedans. Une femme rebelle à son mari pèche contre Dieu. Une femme qui remet en cause les ordres de son mari pèche contre Dieu. Mais la soumission de la femme à son mari doit s'arrêter où sa soumission pour Dieu commence. Ça veut dire quoi? Que la femme ne doit pas se soumettre à son mari jusqu'à pécher contre Dieu. De même que l'obéissance de l'enfant aux parents doit s'arrêter où l'obéissance de l'enfant à Dieu commence. De même, l'obéissance de la femme, la soumission de la femme à son mari s'arrête où la soumission à Dieu commence. Donc, autrement dit, une femme ne doit pas être soumise à son mari, même lorsque son mari la demande, lui demande de pécher contre Dieu ou contre les commandements de Dieu. Là encore, c'est un autre domaine qui devient compliqué dans le mariage. Mais la femme, donc voilà, je disais que la soumission de la femme est volontaire. La soumission, ce n'est pas forcé, c'est volontaire. Et une femme doit se soumettre à son mari parce qu'elle l'aime. Quand vous aimez une personne, vous vous soumettez à la personne sans aucun problème. Mais lorsque vous n'aimez pas, la soumission sera un calvaire pour vous. Vous trouverez qu'au lieu que ce soit la soumission, c'est l'esclavage. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent que la soumission est difficile dans le mariage. Et je pense que c'est la pilule amère à avaler pour plusieurs femmes. Et vous avez ce sentiment lorsque vous n'aimez pas votre mari.
Une femme qui aime son mari se soumet avec joie. Elle trouve son bonheur dans la soumission à son mari. Mais si vous sentez que se soumettre à votre mari est une difficulté, vous ne l'avez pas encore aimé. C'est un signe clair que vous n'aimez pas votre mari, ou bien vous ne l'aimez pas suffisamment, ou vous ne l'aimez pas comme cela se devait. Et j'ai dit que les femmes, parfois, ont des problèmes de soumission dans leur couple. Par exemple, lorsque la femme, par exemple, est plus âgée que l'homme, il y a des facteurs qui rendent encore la soumission au mari un peu plus compliquée. Par exemple, le facteur de l'âge. Lorsque la femme est plus âgée que son mari, elle aura toujours tendance à se dire dans son esprit que c'est mon petit frère. C'est à lui de recevoir des ordres de moi. Voilà pourquoi une femme, avant de vous engager dans un mariage avec votre petit frère, rendez-vous à l'évidence que vous êtes prête à être soumise à votre petit frère. N'allez pas dire après que tu es même mon petit frère, tu me parles même comme ça là, pardon, je suis ta grande sœur. Hein. Tu étais sa grande sœur, tu ne savais pas ça avant. Et c'est dans le mariage que tu te rends compte que tu es sa grande sœur. Non, il faut te méfier. Avant de l'épouser, considère aussi le fait que c'est ton petit frère. Et demande-toi que est-ce qu'il me sera facile de me soumettre à un homme que je dépasse en âge? C'est des facteurs qui peuvent rendre la soumission un peu compliquée. Donc, à ce moment-là, à toi de porter ta responsabilité, de te dire que non, écoute, je me suis engagé sur sa grande sœur, mais j'ai accepté l'épouser, donc il est mon chef, et tu le soumets à sa chefferie. Un autre facteur qui peut rendre la soumission de la femme difficile chez l'homme, c'est quoi? Par rapport à son mari, c'est quoi? C'est le facteur études. Voyez. Donc, si tu as le doctorat, ton mari, lui, on l'a repêché au CEP. On ne sait même pas si son CEP, là, c'est vrai ou pas. Vraiment, l'authenticité, là, est encore à prouver. Il te sera difficile, en tant que femme, de pouvoir épouser un homme qui n'a pas ton niveau intellectuel, ton bagage intellectuel. Lorsqu'il parlera, je lui ai dit, hein, ta belle-mère m'a dit que je te dis que demain, tu vas venir. Tu vas te demander que, mais attention, c'est quel genre de langage que l'homme, si je me, vraiment, je suis même entré ou comme ça. Je me fais comment pour épouser l'homme si un toc-toc comme ça. Qu'est-ce qui s'est même passé dans ma vie? Hein? Il dit que chérie, je lui ai donné, je lui ai vu hier. Et tu te demandes que, mais attention, l'homme, si il ne connaît rien du français, donc ça devient compliqué. C'est pour cela que la soumission d'une femme à son mari demande beaucoup d'humilité. Si vous n'avez pas d'humilité en vous, vous ne pouvez pas vous soumettre à votre mari. Voyez. De l'apôtre Pierre dit, femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, dans le mariage, madame ou mesdames, ce n'est pas ton background intellectuel que tu dois mettre devant. Ce n'est pas ton niveau intellectuel ou bien ton âge, ta bonne conduite. C'est elle qui apporte le succès dans ton mariage. La bonne conduite commence par la soumission à son mari. Vous voyez. Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. La femme, dans son foyer, doit vivre chaste et réservée. Elle ne doit pas, elle doit éviter les débordements vis-à-vis de son mari. Quand ton mari te parle, tu dois lui parler avec respect. C'est pour ça que je pleurerai toujours, je vais toujours pleurer mon épouse. Parce que c'était une femme conciliante, une femme paisible. Une femme qui veut bâtir son foyer doit être conciliante et paisible. Elle ne doit jamais avoir dans sa bouche des paroles vipérines, serpentines. Non. Ses paroles doivent toujours être doucereuses. C'est-à-dire, c'est des paroles de paix. La femme qui veut bâtir son foyer doit avoir une bouche de paix. C'est la paix qui sort de sa bouche. Quand tu vois la bouche de certaines femmes aujourd'hui dans nos églises, tu vois la femme, c'est la femme, mais la bouche, c'est la bouche du cobra. Tu vois la femme, mais quand tu regardes sa bouche, ça ressemble à la bouche du mamba noir. C'est le venin qui sort. Quand tu dis un mot, elle a 10 000 déjà. Quand tu dis bonjour, elle est à ta maman. Tu dis que chérie, elle dit ton papa. Voyez, c'est un peu ça le problème. Et quand ta bouche est amère, l'homme a son orgueil à lui. C'est-à-dire que Dieu a fait de lui un chef. Donc il y a cet orgueil de chefferie dans l'homme. Quand une femme veut se mesurer à son mari, elle va tout gâter. Ne te mesure jamais à ton mari, ce n'est pas ton égal. Oupo veut dire être en dessous. Maintiens-toi toujours en dessous. Donne toujours à l'homme la fierté de prendre la dernière décision. Donne ton avis, donne ton point de vue. Et ménage-toi. Beaucoup de femmes sont converties. Ça veut dire qu'on ne doute pas de leur conversion. Hein. Je ne doute aucunement de ta conversion. Tu es né de nouveau, c'est vrai, sauf ta bouche. Ta tête est née de nouveau. Tes yeux, tes oreilles, tout est né de nouveau. Sauf ta bouche. Quand on regarde ta bouche n'est pas née de nouveau. Les paroles qui sortent de ta bouche. Donc, ce genre de femmes, on doit les attraper. On les fait trois par quatre, comme on faisait à l'école coranique. C'est-à-dire qu'on tient les pieds et les mains. On va les baptiser, on les rebaptise. On ne les rebaptise pas complètement, on baptise juste ta bouche.
Parce que c'est ta bouche qui te tue dans ton foyer. Beaucoup de femmes, c'est vos bouches qui détruisent vos foyers. Tu ne sais pas comment répondre à ton mari, comment parler à ton mari. Tu parles à ton mari devant les gens comme si c'était ton enfant que tu t'adressais. Comment veux-tu la paix après dans ton foyer? Non. Aucun homme ne voudrait être méprisé par son épouse. Aucun homme. Donc, on te commande un barama, c'est ta bouche qui te tue. Tu dois, les femmes doivent chercher d'abord, premièrement, la conversion de la bouche. Beaucoup de femmes sont converties partout, hein. Le cœur est converti, les poumons convertis, le pancréas converti, le foie converti, mais la bouche là, conversion bouche de la femme, c'est compliqué. Non. Elle parle. Non. Il faut faire attention. Beaucoup de femmes souffrent de ce qu'on appelle la logorée, c'est-à-dire la diarrhée verbale. Donc, la femme, la soumission ici doit être volontaire. C'est un acte volontaire et conscient. J'accepte me mettre sous cet homme. J'accepte me mettre sous l'ordre, sous les ordres de cet homme. Tout ce qu'il va me dire, je vais le faire. C'est ça, la soumission ici. Ou potasso veut dire se mettre volontairement sous quelqu'un. Se soumettre à. C'est ce que ça veut dire. Hein? Se mettre volontairement sous ton mari. Se soumettre, c'est-à-dire devenir sujet, le sujet de ton mari. Se soumettre à ton mari, se laisser subjuguer par ton mari. Se mettre sous ton mari. Vous voyez? De se soumettre, me mettre moi-même sous la guidance de quelqu'un, sous la direction de quelqu'un. Upotasso. Donc, j'ai dit que le mot upotasso vient de deux mots grecs, hypo, qui veut dire sous. Et akouo, et tasso, qui veut dire ranger. Et tasso, pardon, qui veut dire ranger. Donc, upotasso veut dire se ranger volontairement sous l'autorité de quelqu'un ou de ton mari. Ouais. Donc, ça veut dire se soumettre à ton mari. C'est obéir à tout ce que ton mari te dit. Obéir à toute recommandation qui vient de ton mari. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Pierre dit donc, que la femme doit être soumise à son mari. C'est un acte volontaire, c'est pas l'esclavage. Donc, les hommes doivent comprendre qu'une femme soumise doit être différente d'une femme esclave. La soumission vient juste avant l'esclavage. L'esclavage, tu n'as pas de point de vue. Dans l'esclavage, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de point de vue. Tu ne dois pas dire ce que tu penses. Tu es, c'est béni, oui, oui. Oh, la soumission, ce n'est pas ça. Une femme soumise n'est pas une femme esclave. Les hommes doivent comprendre cela. Vous voyez? Donc, une femme peut être soumise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son point de vue à donner. Non. Elle contribue pleinement à la vie du foyer. Elle donne son point de vue. Elle peut même parfois dire non à son mari. Non, bébé, je ne suis pas d'accord avec tes choses. La soumission ne veut pas dire qu'elle te dit oui en tout. Non. Moi, mon épouse me disait non, je ne suis pas d'accord avec tes choses. Elle marque son opposition. Et il faut souvent écouter ta femme lorsqu'elle marque son opposition. Maintenant, à la fin, la soumission signifie que tu peux dire non à ton mari et ton mari, après, peut utiliser de son veto d'homme. Il utilise son veto d'homme. Il dit non. Il frappe du poing sur la table. Il sort son veto. Quand il sort son veto, automatiquement, tu te soumets. C'est ça que les femmes doivent comprendre. Quand il sort son veto, tu te soumets. Tu le laisses. Maintenant, si ça échoue, c'est sa responsabilité à lui. Ce n'est plus ta responsabilité en tant que femme. Parce que tu as donné ton point de vue. Tu as donné ton nom. Et puis, tu as donné ta position. Et lui, il a sorti le veto. Donc, les hommes doivent apprendre à écouter leurs épouses. Et les épouses doivent apprendre à savoir bien parler à leur mari. Parfois, tu peux avoir une bonne idée, mais tu ne la véhicules pas bien à ton mari. Et puis, ça apporte plutôt des conflits, des querelles. Donne cette idée à une autre femme, elle gagnera le cœur de son mari, parce qu'elle a la sagesse dans son cœur, elle sait comment s'adresser à son mari. Donc, chaque femme doit apprendre l'art de communiquer avec son mari. Il y a une manière de parler avec ton mari, même si ton mari est dur, comment? Même s'il est difficile de caractère, comment? Chaque homme a un point névralgique. Il faut juste étudier ton mari et connaître les points faibles, et le prendre sur ces points faibles. Tu n'as pas besoin de prendre ton cabas, d'attacher le foulard autour des terrains, pour aller en guerre, il va te taper. Tu vas perdre la guerre, c'est une bataille que tu as perdue avant même de commencer. Il est plus fort que toi. Il va te taper, il va te défigurer. À la fin, tu vas revenir. Tes yeux, on va croire que c'est les lunettes que tu as portées à distance. Pourtant, ce n'est pas les lunettes. Hein? Il t'a laissé des traces noires comme ça, les coups de poing que tu as reçus. Donc, ne te mesure pas physiquement à ton mari, c'est de la folie. Demande à Dieu la sagesse. Quels sont les points faibles de mon mari pour lui véhiculer mes pensées? Tu peux avoir de bonnes idées, mais mal les véhiculer près de ton mari. Il va rejeter tes bonnes idées et il va imposer son veto et vous irez à la catastrophe. Et vous tous, vous allez souffrir. Voyez. Donc, c'est important. Et les hommes doivent aussi comprendre que, en tant qu'homme,
N'utilisons pas toujours notre veto sur nos femmes en désordre. Le veto doit sortir rarement. Écoute ta femme, écoute ton épouse, écoute le langage de ta femme. Les femmes ont de très bonnes idées pour le foyer. Écoutons nos femmes, écoutons les idées, exploitons leurs bonnes idées. C'est important de le comprendre. Donc, l'homme ne doit pas toujours être prompt à sortir. Je suis le chef, je suis le chef. On sait déjà que tu es le chef. Un bon chef ne rappelle pas qu'il est le chef. Son caractère l'impose comme chef. Tu rationnes bien, c'est ça un bon chef. Ta femme, tu lui achètes les vêtements, c'est ça un bon chef. Parfois tu manques de choses, mais tu achètes pour ta femme. Ça, c'est un bon chef là-bas. Un bon chef, c'est pas la bouche, je suis chef. Un bon chef, au lit, tu fais le travail, fils habile, il aille, c'est un bon chef. Oui, quand ta femme se réveille le matin, elle marche, elle déambule, elle trébuche. Ouais, ça, c'est un bon chef. Oh, elle est virevoltante, elle est claudiquante, c'est un bon chef. Un bon chef ne parle pas, il agit. C'est ça la vérité. Elle est bien, elle est pimpante. Toutes les semaines, elle est chez la coiffeuse. Elle chante de coiffure, ça c'est un bon chef. Donc, dis que je suis le chef, sans rien faire en action, en pratique. C'est ça qui révolte aussi certaines femmes. Oui, je suis le chef, tu me demandes, je suis le chef, je meurs de faim ici, tu ne peux pas acheter un caleçon. Il y a des hommes qui n'ont jamais connu, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la taille du string de leur femme, ou bien de leur soutien-gorge. Il te dit la vérité, c'est la réalité. Et c'est un problème. Donc la soumission de la femme, c'est un acte volontaire pour bâtir son foyer. Une femme qui ne peut pas être soumise n'est pas encore prête pour le mariage. La soumission, c'est un acte d'humilité. L'acceptation volontaire que mon mari est mon chef. Et donc, le mari peut écouter. Et les hommes doivent écouter leur femme. Donc cette soumission n'exclut pas que la femme donne son avis. Ça n'aliène pas la conscience ni l'identité de ta femme. C'est-à-dire que les hommes ne doivent pas abuser du verbe se soumettre. Soumettre, la femme doit être soumise pour aliéner la conscience même de leur femme et faire de leur femme des pantins dans leur foyer. Ou bien faire de leur femme des robots dans leur foyer. Non, ma femme avait son point de vue et j'écoutais son point de vue, c'est important. Je me souviens que parfois je pouvais venir lui dire, ok, je voyage, donne-moi 200 000 pour le voyage ou bien 300 000 pour la mission. Elle me dit, dis-moi comment tu vas gérer. Je lui rends compte. Un homme doit rendre compte à sa femme. Que ta femme te soit soumise ne veut pas dire que, et laissez-moi même vous choquer, la soumission doit être mutuelle entre l'homme et la femme. Vous allez dire que le prophète Kané est en train de déranger encore. C'est pas que je dérange, je dis la vérité. Tu peux te soumettre, l'homme doit aussi se soumettre aux bonnes idées de sa femme. C'est ça la vérité. Hein? Donc mon épouse me disait, non, mon mari, 300 000 c'est trop. Il veut te donner 200 000. Et je lui dis, ok, d'accord. Elle m'explique pourquoi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je prends les 200 000, je pars. Je me suis soumis à une idée qu'elle a émise. C'est ça un bon mari. Je veux pas tout lui dire, non, Tu sais comment il travaille l'argent là? Tu sais combien ça me coûte? Hein? Je prends ce que je veux, je suis le chef. Hein? La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Tu n'as pas le droit de me dire, c'est la somme que je dois prendre, ou tu n'as pas. Ma femme me demandait, j'ai dit la vérité, Jésus m'est témoin. Eh Seigneur, mon Dieu, quand je rendais des missions, Dieu m'est témoin, je parle devant Jésus, qui m'a appelé. Ma femme me demandait comment tu as géré l'argent ou le reste. Donc, ça fait que quand je partais en mission, avant de sortir 5 francs, je calculais bien. Parce que je savais que j'avais des comptes à rendre à ma femme. Un homme doit rendre compte à sa femme. Ça n'annule en rien le fait qu'il soit chef ou que la femme soit soumise. Ça n'annule en rien. C'est ça même le vrai chef avec son aide. La femme, quand on parle de la soumission ici, la définition c'est l'aide. Elle est une aide pour toi. Elle n'est pas ton esclave. Ta femme n'est nullement ton esclave. Faire de ta femme ton esclave, c'est détruire sa vie. Et c'est détruire le sens même du mariage selon Dieu. La femme a une autorité dans le foyer, et une autorité puissante qui doit se ressentir jusqu'à dehors. L'autorité de ta femme, ta propre famille doit sentir ça. Sa famille doit sentir ça. Lorsqu'elle arrive, écoutez, vous voyez, mon épouse et moi, on avait dit une chose. On avait dit que aucun membre de ta famille ne peut venir dans cette maison te demander quelque chose dans la maison. Non. Et aucun membre de ma famille ne doit rien me demander dans ma maison. Non. Si ma famille veut quelque chose, par exemple, un membre de ma famille veut un téléviseur à la maison, il ne me demande pas. Il doit aller te demander, toi, madame. Et si un membre de ta famille veut venir demander un téléviseur à la maison, il ne te demande pas à toi, ma femme. C'est-à-dire, il ne demande pas à sa soeur, bien. Non, il doit venir me demander, moi, ton mari. Et nous avions mis ces règles-là pour que notre foyer ne soit pas ébranlé par nos deux familles. Et c'est comme ça qu'on vivait. En sorte que, si ma belle famille voulait quelque chose, elle venait me demander. Et si la belle famille de mon épouse voulait quelque chose, elle allait lui demander.
Et ça a mis de l'ordre dans notre mariage. Et ma femme se sentait respectée. Je faisais ça pourquoi? Pour que ma famille ne se passe pas de ma femme pour se dire que non, si on veut quoi que ce soit, on va demander à notre frère, on s'en fout de sa femme. Non, on ne s'en fout pas de ma femme. C'est son domaine, c'est son territoire. C'est le ministre de l'Intérieur. Et tous ses pouvoirs, ses prérogatives doivent lui être remis. Et elle doit jouir de ça. Une femme épanouie est une femme qui jouit de son autorité dans sa maison, au milieu de sa maison. Ma femme pouvait me dire que tel ne vient pas chez moi. Elle le disait. Elle disait chez moi. Telle personne ne met pas le pied chez moi. Mes frères, j'obéissais. L'homme doit obéir à sa femme lorsqu'elle a raison. La femme doit obéir à son mari lorsqu'il a raison. Il faut comprendre cela. Donc cette soumission n'a rien à voir avec l'esclavage. Parce que dans l'esprit de l'esclavage, on tape. C'est une esclave. On gifle. C'est une esclave. On botte. C'est une esclave. Oh, ta femme n'est pas ton esclave. Non. Il faut savoir que la soumission est mutuelle. Ta femme peut te dire par exemple que je ne veux pas que ta petite soeur mette les pieds chez moi. Mon ami, tu n'as pas le droit d'amener ta petite soeur. Parce que nos belles familles, nos familles font souvent exprès. Et quand ta petite soeur, tu vas imposer ta petite soeur dans ton foyer, tu as brisé l'autorité de ta femme et tu l'as humiliée devant ta petite soeur. Et ta famille ne la respectera plus jamais. Ce n'est pas possible. Et ça, vous comprenez? Mais bien aimé, nous devons comprendre l'importance de ces choses. Donc, si ma femme me disait que ta petite soeur ne met pas les pieds, et je vous dis la vérité, j'ai expliqué, je suis ouvert, j'ai expliqué qu'il y a eu des conflits entre ma mère, ma petite soeur et mon épouse. Et à l'époque, quand j'ai regardé dans l'affaire, je ne supporte pas ma femme, je ne supporte pas ma famille, je supporte la justice. Et dans cette affaire, ma femme n'avait pas tort. Elle était innocente. C'est ma mère et ma petite soeur qui avaient tort. C'est elle qui avait tort. C'est ça la vérité. Et donc, pendant toutes ces années, ma mère n'avait jamais mis pied chez moi, ni ma petite soeur. Pourquoi? Parce que je leur ai dit que je ne peux pas vous admettre chez moi lorsque, avec ma femme, vous avez des conflits. Arrangez d'abord le conflit. C'est elle, le ministre de l'Intérieur, c'est elle qui vous donnera le visa pour venir. Ça, c'est respecter la justice et les lois du mariage, les règles du mariage pour bâtir un foyer stable. Si vous ne respectez pas ces lois, vous ne pouvez pas avoir le bonheur que j'ai eu dans mon foyer. Tu ne peux pas. C'est des règles. Pourquoi? Parce que si je fais venir ma petite soeur contre la volonté de ma femme, elle va narguer ma femme. Elle va lui montrer que je n'ai pas besoin de toi. Toi, tu es juste un représentatif ici. Tu n'as aucune autorité. On s'en fout de toi. Tu es comme si tu n'existais pas. Non. Le fait que je demande à ma mère ou à ma petite soeur de négocier d'abord leur venue avec ma femme, ça leur montre que ma femme a une valeur. Et à ma femme aussi, elle est respectée. Ma famille comprend qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à cette femme. Et ma belle famille, ma belle-mère comprend que j'aime sa fille et je respecte son enfant. Je n'ai pas pris son enfant pour en faire une esclave pour ma famille. Ou un objet de raillerie pour ma famille. Ou un objet de mépris pour moi et ma famille. Non, tu n'épouses pas une femme pour la faire mépriser par ta famille. Ou tu n'épouses pas un homme pour le faire mépriser par ta famille. J'ai imposé le respect. Et ma femme était respectée. Jusqu'à ce que ma mère et ma petite soeur comprennent qu'il était nécessaire qu'il y ait des pourparlers. Et j'ai donc été là pour faire les pourparlers. Et j'ai amené les deux parties. On a parlé, etc. Il y a eu réconciliation, il y a eu complicité, il y a eu amitié. En sorte que c'est ma mère et ma soeur qui l'ont soutenue beaucoup plus aussi dans ces derniers moments. Là, elle venait comme elle voulait. Vraiment, la paix était revenue. Et je n'ai pas permis qu'on méprise ma femme. Et je n'ai pas permis aussi que ma femme méprise ma mère ni ma petite soeur. Donc, elle n'a jamais eu l'intention même de mépriser ma mère ou bien ma petite soeur. Donc, quand ma femme disait que telle personne ne met pas les pieds chez moi, elle disait chez moi. Et c'est chez elle. Mais si j'impose la personne, je montre à ma femme que ce n'est pas le chez elle. C'est le chez moi et non pas le chez elle. Faites attention. Ces personnes, parfois pour qui vous êtes prêts à mépriser vos épouses dans vos maisons, ces personnes n'ont rien contribué. Dans le moment de souffrance, c'est ta femme qui te supportait. Aujourd'hui, tu viens avec des personnes qui étaient même ingrates, qui avaient même disparu. Il faut faire attention. Donc, madame, aime ton mari, soumets-toi à ton mari. Et par la grâce de Dieu, Dieu ramènera le cœur de ton mari. Un jour, tu bénéficieras de ton mari. Et tiens, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Donc l'apôtre Pierre dit que la femme ne doit pas, au lieu de perdre le temps à mettre le rouge à lèvres, à bien t'habiller, à chercher l'or, à mettre, le diamant sur toi, ça n'aide pas dans la stabilité, dans le foyer.
Bâtis plutôt un caractère qui t'aidera à honorer ton mari. Lorsque ma mère était mariée, j'ai vu comment elle honorait son mari. Et je lui disais toujours, maman, je prie que Dieu me donne une femme soumise à son mari comme toi. Chaque 5 heures du matin, son mari était musulman. Chaque 5 heures du matin, elle se levait, elle chauffait de l'eau. Mes amis, elle lavait le pied, elle chauffait de l'eau pour que son mari fasse les ablutions pour la prière de 5 heures. Tous les 5 heures, elle était fidèle à ça. Et quand son mari revenait, elle ôtait les chaussures des pieds de son mari. Elle lavait les pieds de son mari, elle massait les pieds de son mari, elle lui mettait l'eau aux toilettes, il partait se laver. Et elle lui servait à manger. Et je me souviens à l'époque, elle faisait deux nourritures, deux repas dans la maison. Le premier repas, c'était pour son mari, le deuxième, c'était pour nous. Le bon repas, c'était pour son mari. Et quand on reçoit la cuisine, on l'assiste, on dit qu'on veut goûter, elle dit non, ça c'est le repas de mon mari, personne ne goûte à ça. Voici le repas de la maison. Mais toi, en quoi tu honores ton mari? En quoi tu es soumise à ton mari? La soumission, c'est élever son mari. Tu te soumets pour qu'il soit élevé. Dans ta maison, ton mari, si on voit l'assiette, les assiettes dans lesquelles tu sers à manger à ton mari, c'est comme si c'était un prisonnier de Koningui. Mais les prisonniers de Koningui sont honorés, plus que toi. La femme devrait avoir l'assiette dans laquelle ton mari mange, devrait être différente de l'assiette dans laquelle les autres viennent manger. Non. La marmite même dans laquelle tu prépares la nourriture de ton mari, une femme qui est soumise à son mari, qui honore son mari, on va voir ça. Ton mari est ton seigneur, ton roi, on va voir ça demain. La femme qui est soumise à son mari, même la marmite dans laquelle elle prépare pour son mari, elle est précautionneuse, précautionneuse. Elle prend des précautions. Les assiettes, elle ne sert pas son mari dans n'importe quelle assiette. Elle n'accepte pas ça. Son mari ne mange pas dans une table sale, sur une table sale. Non, elle prend des précautions. Va voir l'assiette, va voir. Ça dit, les cuillères de son mari ne touchent même pas les cuillères du reste de la maison. Les fourchettes de son mari, toi, ton mari n'a même pas de fourchette dans la maison. Il n'a même pas d'assiette. Il n'a pas de mamie spéciale. Il n'a même pas d'abord de repas spécial. D'ailleurs même, il est le dernier que tu sers à la maison. Comment est-ce que tu veux que Dieu soit content de toi, madame? Si tu ne fais pas de ton mari ton chef, tu ne montres pas des signes d'une femme soumise. Ouais, Orange nous a volé au moins 10 minutes aujourd'hui. Que Dieu leur pardonne leur péché. Au nom de Jésus. Donc, on va devoir arrêter la cause du temps. Je veux prier pour ta journée, bénir ta journée. Demain, on va continuer avec la responsabilité de la femme dans le foyer et nous verrons en quoi l'homme est ton Seigneur. On va revenir dans l'étymologie hébraïque et grecque pour mieux comprendre cela. Que Dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus. Père, merci. Je bénis cette journée dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Nous prions, Seigneur, qu'aucun malheur ne nous arrive en cette journée, mais que le bonheur soit notre partage. Partout où tu iras, l'ange de Dieu te gardera au nom de Jésus. Ce soir, à partir de 17h, sois connecté pour la suite du live au niveau de la bière, du message du séminaire sur le mariage. Et vendredi, nous avons spéciale atmosphère de miracle, briser les fondations du célibat dans ta vie, dans ta famille. Dimanche, ça sera un culte pour tous les célibataires ici à Yaoundé. S'il vous plaît, prépare ton offrande de connexion maritale. Seigneur, je bâtis un autel de mariage dans ma vie et ma famille. Prépare une offrande représentative. Et puis, écris sur ton format les choses, les critères d'homme ou de femme que tu attends de Dieu. Tu viens avec dimanche 7h30 à la bille. Je vais mettre les genoux dessus. On va bâtir ensemble un autel comme nous l'avons fait à Douala. Comme tu le fais, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Les habitants de Douala, je serai à Douala ce dimanche à partir de 16h. La gloire de Dieu est puissante au milieu de nous. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.